Très agacée par son ex Vincent, Rim s'emporte et décide de régler ses comptes avec lui. On vous raconte. Dans une récente interview accordée il y a quelques jours au blogueur Aquababe, Vincent s'est longuement confié sur son histoire d'amour avec Marwa, mais aussi sur son ex-femme Rim. Il a notamment raconté que cette dernière avait refusé de rencontrer Marwa, car elle estimait que leur relation n'était que passagère. Je ne sais pas si Rim a approuvé ma relation avec Marwa, ça m'est égal, elle n'a pas à la foutre. Il n'y a pas de relation entre Marwa et Rim. Je voulais que Marwa et Rim se rencontrent. Rim n'a pas voulu parce qu'elle pense que c'est pas sérieux entre nous deux, donc elle l'a. Très énervée d'entendre son nom dans cette interview, Rim n'a pas tardé à réagir et alors expliquer qu'elle avait immédiatement envoyé un message à Vincent pour qu'il arrête de parler d'elle. Je suis au-dessus de tout ça. Ne vous inquiétez pas, je viens d'envoyer un message privé à Vincent. Oui, je le dis clairement. Je viens de lui envoyer un message privé car c'est quand même mon ex-mari. Je lui ai demandé de manière calme d'arrêter d'accepter des interviews où il est question de moi. Il peut très bien continuer à les accepter, mais au moins éviter de parler de moi. Je ne comprends pas pourquoi on devrait me mentionner dans des interviews quand il est en couple et heureux. Je ne veux pas être mêlée à des histoires qui ne me correspondent pas, car sincèrement, je ne souhaite que le bonheur de tout le monde. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse tranquille, comme j'ai déjà demandé à plusieurs reprises. Après, on se plaint des comparaisons, etc. C'est donc un message général.